On vous a présenté ici au Hockey Club en Irlande la quatrième génération des P790. Donc fini les fers, place maintenant au Wedge, les MG4. Donc la quatrième génération des Wedge MG, des clubs faits pour Tiger Woods et les joueurs du tour, mais aussi les joueurs amateurs qui aiment les designs traditionnels. On a quelques petites nouveautés au niveau du look, ça pose un petit peu différemment à l'adresse par rapport au MG3. Et on vous présente ça tout de suite. Yeah, I mean, in terms of the actual head shaping, then yeah, you are really looking at millimeters. They're very subtle changes, and why even make them? Well, they've been done based really on, you know, our engineers working with what suits their eye. We know if it suits the best players in the world, it's going to suit everybody. But that's not really what we've done with the new wedge. The new wedge is really about some of the technologies we've put in to the face, and we've added this new hydro spin laser engine into the face. Allows the water to escape to let the crews do their job. That's phenomenal. You know, that's the feedback we get, you know, from the best players in the world and from amateurs alike. I want a wedge, if I want to hit it 90 yards, to go 90 yards and behave in the same way where I play in wet or dry conditions. Without that hydro spin, you haven't got that. You have to try and guess what's going to happen, what the reaction is going to be. With that hydro spin, we're taking that guesswork away. Yeah, so MG4, we're going to be bringing it out in this this slightly darker satin chrome finish. You'll have your traditional bounce options. You'll have low bounce, standard bounce, high bounce across all of the loft options, and we'll have multiple grind options as well. And we're actually going to a point where we've got now some tour-inspired grind options. Voilà, si on compare un peu les deux versions MG3, MG4, est-ce que ça donne plus de spin? Il faudrait tester vraiment sur plusieurs jours. Ce qui est sûr, c'est que la face, évidemment, au toucher, est plus rugueuse. Et un truc pour voir si ça donne un petit peu plus de spin, c'est que surtout que les manches est plus léger sur la nouvelle version. Et qui dit shaft plus léger dit plus de vitesse, plus de facilité à donner de la vitesse avec ces nouveaux wedges. Donc je pense que c'est là qu'est le progrès à voir sur ces MG4. Pour finir, qu'est-ce que je retiens de ces nouveaux wedges MG4? Donc rien de fantastique au niveau de nouveauté, évidemment, on est sur du wedging. Au niveau de l'allure à l'adresse, vraiment un petit peu plus de relief, un petit peu plus de hauteur à ce niveau-là, au niveau du hosel. Et je trouve que ça donne un peu plus de sécurité à l'adresse sur des wedges qui, on le rappelle, sont destinés aux meilleurs d'entre nous, ou en tout cas à ceux qui aiment les formats compacts de wedge. Ensuite, ce que j'ai préféré parmi les modèles, c'est les lofts plus fermés, 50, 52 et même les 48. C'est vraiment très fin, très agréable à l'œil. Pour les clubs plus ouverts, je préfère les Aito qu'on vous a présenté l'an dernier plusieurs fois avec la pointe plus haute. Ça aide vraiment à taper des coups lobés parce que quand on ouvre la face, ce petit relief, ce centre de gravité placé davantage en pointe va vraiment vous aider à taper des beaux wedges bien hauts.